Vous avez bien lu le titre. Genre là, nous y est. Vous vous êtes pas trompé. Vous avez bien lu le titre. Vous avez bien vu. J'arrive pas à y croire. Puis regardez ma nouvelle caméra. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien la qualité ou pas, parce que c'est une qualité assez spéciale. Je mange aussi à chaque bar que vous. Il est 6h du soir. Il est 5h59. Mais à 6h pile, on devait partir. Évidemment, ma mère, pour nous stresser, elle nous dit 6h. Mais il est 6h01. Rentre! Et ferme la porte. Bien évidemment, pour nous stresser, elle nous dit 6h, on sort. 6h, elle n'est même pas habillée. Moi, je suis prête. La valise est prête. Regardez, j'ai acheté des campus. Vous aimez bien? Je sais, c'est pas très original, mais je les voulais grave. Vous validez ou pas? J'ai pas encore la maîtrise totale de la caméra, vous m'excuserez. Je suis en train de charger mon téléphone. Ah! Il y a combien de réveils là? Il y a 15 réveils dans cette famille. Vous entendez l'autre? Yassine? Oui? Dans la valise, tu rajoutes rien, j'ai rajouté moi ça et ma bébé crème. N'oublie pas la balance, mets-la dans ton sac. Je vous présente les acteurs. Donc Ryan est présent. Bonsoir. En espérant qu'il soit pas trop aigri. Bonsoir. Et Mimi, elle est présente aussi. T'es contente d'aller au bled? Est-ce que tu es très contente? D'accord. En fait, je suis en train de me dire si mon sac il va passer ou pas, parce que vous voyez pas, mais il est bas de lourd, genre. Non, il est pas lourd. Téma, comment il tombe déjà? Il est pas lourd. Ah si, il est un peu lourd quand même. On dirait un clown. On verra à la fin du vlog. Il y a tout qui va se mélanger. Ram, tu nous fais un outfit? Un petit outfit. Oh, regardez comment elle est stylée. Elle a fait des tresses trop belles. On est dans la voiture et on va à l'aéroport. Regardez, j'ai pris un casque. Enfin, j'ai aussi mes AirPods dans mon sac. Mais je sais que j'ai besoin des deux à chaque fois. Parce que des fois, les AirPods, c'est un peu chiant. Genre, c'est des écouteurs. Alors que ça, c'est plus confortable. Est-ce qu'il fait froid? Il fait froid de ouf. Et quelle heure? Il est 6h49. Ah, il est presque 7h, maman. Regardez notre aéroport, il est beau, non? Nous, il y a des palmiers autour. Je sais pas si vous voyez. On voit mal, mais en vrai, notre aéroport, il y a des palmiers. C'est ça d'habiter à Nice. Un jour, vous comprendrez. À fou rire, vous allez rigoler. Regardez Myriam comment elle pousse la valise. On dirait une galérienne. On est où? On est là. Nouvelle ère, Tunis, c'est. Mais en fait, vous allez. Nous, on va à New York. On va à New York, maman, t'imagines? Ah, c'est là-bas, il y a encore des trucs là-bas en fait. Je pensais que ça s'arrêtait là. Ah, comment ça sent trop bon. Je crois que je vais prendre un truc après. Ça sent ou ça sent, ça pue? Non, ça sent bon. Voilà, c'est le moment de peser les valises, c'est le stress. Hein. C'est comme dans l'UFC, la pesée, c'est plutôt. Pour qu'on prenne un truc ou du maquillage ou quoi. Ah, tu m'as fait une surprise, on va à Lisbonne. Elle met la languette là. Bon, le premier check-up, il est passé. On envoie les valises. En soute, j'ai pas dépassé ce qu'il fallait. Là, il me reste un truc qui me stresse. Ah, je pensais que je vous avais perdu. C'est que ma batterie externe, elle fait 200 watts. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et on n'a pas le droit à plus de 160 en soute. Je lui dis, la mienne, elle fait 200. Elle m'a dit, prends-la avec toi en cabine. Donc, normalement, c'est carré, mais on n'est jamais sûr. Bref. Ah. Elles sont où les salles, maman? Salle B? On va chercher la salle B. On se balade avec Ryan dans l'avion parce qu'en fait on a 2 heures de retard, enfin dans l'aéroport. Oh mais j'ai dit n'importe quoi. On se balade avec Ryan dans l'aéroport parce qu'on a 2 heures d'avance ou 3 heures d'avance. Deuxième étage là, business center, à tout moment on monte, il n'y a rien d'intéressant. En fait il faut sachoir que moi et Ryan on n'a pas l'habitude de prendre l'avion. Et lui ça fait depuis bien avant 2014 il n'a pas pris l'avion. Là je pense qu'on va redescendre hein. Mais tu vas où? Ça se voit, c'est un lounge bien privé, c'est pas pour nous. Allez, on redescend. Alors. Pour redescendre, c'est pas l'escalator. Hein. Oula. Il est mignon, Ryan, il a acheté des sucettes. Il y en a une pour Mimi. T'as pris quel goût? Fraise. Je crois la bleue, c'est la meilleure. Je crois. La bleue, c'est coca. Ouais. Et là, c'est pomme, je crois. Ça, c'est fraise. Ça, c'est pomme. Ouais, pomme hein. J'ai trouvé de l'étagère à ma mère, plein de pièces. J'ai tout pris, regardez. Mon frère m'a donné 10 dinars en billets. Ah là, je suis généreux. C'est pas lui, c'est l'autre. Et après, j'ai pris toutes les pièces, il y a pour 10 dinars de pièces. Tu nous fais ton outfit of the day? Vas-y, qu'est-ce que t'as vite fait? Un petit outfit. Mais c'est à moi ça? Ça, c'est le truc de ma caméra. C'est mon capteur ça? Mais c'est mes chewing-gums. Ah, je les avais oubliés, mes chewing-gums. Ouais, en vrai, tu peux un peu de la bouche, genre, vas-y, prends un peu. Bah, vas-y, donne.
contient un peu, tu vois. Un peu, de la un peu galérien. Il est pas très dur, tu vois, mais tu peux de la bouffer. Je résiste à la douleur. Ça fait même pas mal, en fait. Ah, oui. Ça se voit que j'ai fait un rehaussement de cils. Regardez. J'ai pas recourbé, hein. Je vous jure que j'ai pas recourbé. J'ai fait un rehaussement. Ça se voit, hein, il se fait chier de tout à l'heure parce qu'on a 2 heures à tuer. Il est 7h30, on embarque à 9h30. Sachant qu'on sait tous qu'on va pas embarquer à 9h30. Il fait soleil dehors. Enfin, il a fait jour déjà. Ah, Mimi, elle a fait tomber sa sucette, il y a des microbes. Ah. Ah. Il y a des gens qui tapent des crises là. Du coup, j'ai un autre personnage à rajouter dans le vlog. Est-ce que vous le reconnaissez? Franchement, si vous le reconnaissez, vous êtes des vrais, genre. Normalement, c'est faisable. Maman, il y a une pomme seule. Ça va, j'ai mon casque, ma caméra et mon sac. Et dans mon sac, genre, il y a ma batterie externe, mes crèmes, mon argent, tout ça. Et des petits chargeurs. Ok, toutes mes affaires ont survécu, je suis contente. Mais par contre, il faut aller voir comment ils m'ont palpé. Enfin, c'est une dame super sympa. Elle m'a palpé d'une manière, parce qu'en fait, j'ai pas enlevé mes bijoux. J'ai laissé tous mes bijoux. Du coup, elle m'a palpé avec sa main, après elle m'a mis sa machine, après je suis passée dans un truc, bref. J'ai eu peur un moment. Elle m'a pas pris ma batterie externe, rien du tout, je suis contente, il y a tout qui est passé. On monte en salle et on attend vraiment l'avion, quoi, on est prêt. Je suis dans les rayons duty free, moi j'aime trop, parce que déjà, il n'y a pas les taxes. Ça veut dire que tu peux avoir des parfums à moindre coût. Je ne vous ai pas dit, on reste 10 jours. Peut-être que je m'en prendrai un. Je veux trop le... l'interdit de chez Givenchy. Non. T'as pris quoi? Kinder. Oh, j'adore. Tu vas partager avec ta soeur préférée? Tu viens des Kinder quand même? Merci. De mon outfit. Outfit très simple. Carte. Ah bah c'est parfait. Moi je vais prendre les bonbons là. Quelle heure? Vous voyez ces bonbons là? C'est le meilleur. Il est quelle heure? Non, 8h17. C'est quoi comme bonbon? Il est 8h17. Tu veux goûter? Oui. Non. Ma mère tout à l'heure elle a dit que j'ai pas dosé le blush. En fait elle sait pas que je suis fan du blush. C'est vrai que j'ai pas dosé. Mais ça va partir. Je peux pas vlogger parce qu'il y a des gens autour de moi. On est à l'embarquement. On va bientôt embarquer. Et de base on était derrière mais on a rien demandé. Genre c'est une dame elle est venue. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Arrêtez, on paye à Mauricio. Regardez, c'est le couloir de nos rêves. Le couloir qu'on aime tous traverser. C'est les couloirs dans les films. Le couloir des vacances. C'est les couloirs dans les films, t'as vu quand enfin, elle vient. C'est le bon couloir. Ryan, il a envie de faire caca depuis tout à l'heure. Madame et Karine, il va se lâcher dans les toilettes. Vous savez pas la dinguerie. Ryan, il a pété. Non mais ça sonne de ouf. Choquée dans l'avion. Je suis du meilleur côté, je suis trop contente. À côté de moi, il y a Mimi et juste à côté, il y a ma mère. Il faut sachez que ma mère a la phobie de l'avion. Je me suis dit, je reste pas à côté d'elle. Moi, je suis côté hublot. Je vais mettre mes écouteurs. Non, sur ton téléphone. C'est à fond. Ouais. Regardez, l'avion, il est en train de bouger là. Ça se voit pas, mais il est en train de reculer, genre. Comme d'hab, il y a tout le monde qui est pressé. Ils sont tous pressés. Je sais pas pourquoi. De toute façon, on va tous sortir de l'avion. Il fait pas beau dehors. Regardez. Il fait pas très beau. Il fait nuage. Il faisait plus beau à Nice, du coup. J'ai demandé à Ryan, ils sont où les toilettes? Il me dit, bref, elles sont là-bas et tout. Et il me dit, par contre, il y a logo femme, logo homme. Logo homme, c'est pour les femmes. Et logo femme, c'est pour les hommes. Genre, c'est inversé. Je suis pas trop compris. J'avais une envie pressante. Ma mère, ma tata et tout, ils sont en train d'attendre les valises. En vrai, c'est juste à côté, j'ai vu le toilette, je me suis dit je rentre. Parce que après, en fait, je sais pas si on prend direct le trajet, puisque vous savez que j'habite très loin, j'habite dans le sud.
Donc je sais pas si on fait un trajet direct. Et... on a récupéré les valises. Ça a été grave rapide par contre. Même la douane des frontières, genre. Bon, c'était pas le plus rapide, mais c'était pas le pire, franchement. Je crois qu'on a fait la queue 15 minutes à 20 max, au grand, grand max. Là, on est encore à l'aéroport et en fait, on est devant un truc où tu changes la monnaie. Mais c'est connu que si tu veux changer la monnaie à l'aéroport, c'est pas le plus avantageux. Apparemment, il faut échanger dans les trucs indépendants, mais pas dans l'aéroport. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Enfin, je sais pas, je suis pas sûre. Mais moi, c'est ce que je sais. La Kista. De 4-6. La Kista, la Kista. La Kista. Il y a même pas 200 balles. Ici, ils sont grave ghetto, frère. La douane, elle ne vérifie même pas. Si, on n'est pas en France, là. Voilà, tu peux faire filmer comme ça. Mais, vas-y, toi, t'es gênant. Arrête la mère, t'es gênant, voilà. On est dans l'endroit où il y a tous les lavages. On dirait Side the Rim, pour ceux qui ont la ref. On dirait les trucs de Side the Rim. Je suis déjà venue ici et tout, mais ça date, j'étais petite. Parce qu'après, toutes les fois, on rentrait au bled, c'était en voiture. Regardez. Bonjour Mimico. Bon, j'ai pris un sandwich. Comment il a l'air incroyable. Genre, c'est des frites torsadées. Incroyable. Là, on est à Tunis et nous, on doit aller à Gbélé. Gbélé, c'est 5 heures de route. Avec ma mère, c'est 8 heures. Mais avec le lavage, ça va être 5 heures. Un truc comme ça. Mais du coup, il faut que je prenne des forces, là. Du coup, j'ai pris une grande bouteille d'eau. Un bête de sandwich, il a l'air incroyable. C'est pour ça que j'aime ma Tunisie, en fait. Et là, je cherche le lavage, mais je sais pas où il est. Ah, ok, c'est bon. Oh, oh, oh. Quand je te vois, je suis fier de moi, d'avoir près de moi. Comprends-moi, pour nous je me bats, prendre retour enfin. Pardonne-moi, mais tu sais des fois, en nous je parle un fois. Puis je me dis, aucune fait ton poids, personne passe à toi. T'es resté même quand c'était la première. Honneur tu ramènes, femme quand je te regarde, mais tu me fais penser. On est arrivé, oh, j'ai les cheveux complètement à la ramasse dans mon petit village. Par contre, je pense que ce soir, on va peut-être dormir chez mon papy. On va peut-être dormir chez mon papy, genre demain matin on va chez nous. Enfin je sais pas, à voir. On a marché chez mon grand-père, là on rentre. Regardez, on est dans comment ça s'appelle? On est dans un coffre. Ça fait même pas une heure, on est là, on est déjà dans un coffre. Voilà. Par contre les pizzas, mettez les droites s'il vous plaît. C'est bon, elle est bien calée, elle est bien calée. Elle est bien calée. Mais calez bien les pizzas. Elle est bien calée, arrête de se fouler là. Des bonnes pizzas là. On est parti récupérer des couvertures. Maman, faut que je crois. Hein? Voilà. On est arrivé chez nous, genre chez nous, pas chez mon papy. Je suis contente, mais il n'y a pas de wifi. On a la télé, mais il n'y a pas de wifi. Et là, dans le couloir, ma chambre, elle est fermée à clé. On cherche les clés, je pense qu'elles doivent être dans la table. Ma chambre d'amour. Je vais essayer d'ouvrir ma chambre. Je sais jamais c'est quelle clé. Mon fixateur, comment il est incroyable, il n'y a rien qui a bougé. Ma chambre, je n'arrive pas à l'ouvrir. Et c'est là-bas qu'il y a mes pyjamas. Parce qu'en fait, j'ai pas pris de pyjama parce que j'en ai déjà ici, dans mon armoire. Du coup, ce soir, pas de pyjama. Et on va aller manger. Dans 10 jours, il n'y a personne qui va dormir dans sa chambre. On s'en fout. C'est qui est là? C'est moi. Voilà, on installe les matelas comme ça. Et on va manger. Moi, j'ai pris une pizza. Vous voyez, c'est quoi que j'aime bien ici? C'est les pizzas. Comment ils les accrochent. Je trouve que c'est super pratique. En France, tu vas les porter comme ça. Alors qu'ici, tu les portes comme un sac. Il y a deux pizzas. Ren, il a pris une pizza. Bon. Ah, ah. On est toujours très ghetto, nous. Hein. Ren, t'as pris une pizza à quoi? Ça, c'est à l'escalope. Ça, c'est au thon. Ok. Ren, il a pris au thon, moi j'ai pris à l'escalope. Et voilà. Mais franchement, ça donne grave envie. J'ai l'impression que chaque année, ça améliore de plus en plus. C'est une dinguerie. Bon appétit. Discutons. Je suis dans la salle de bain. Je vais me démaquiller. D'abord, j'enlève tous mes bijoux.
Mais du coup, il est enfin posé. Moi, en fait, j'attends juste qu'on ouvre ma chambre. On pourra l'ouvrir que demain. Parce qu'il y a mes parfums, il y a mon lit, il y a mes couvertures, il y a mes livres. J'ai laissé des livres ici. Il y a mes pyjamas, j'ai des bijoux et tout. Bref. J'espère que le vlog vous a plu. Pour la première fois, du coup, c'est pas en bateau, c'est en avion. J'ai quelques petites questions à vous poser. Venez sur TikTok. Donc, venez sur TikTok parce que là-bas, je vais faire des vlogs, mais en format plus court, ok. Venez sur Instagram parce que du coup, c'est là-bas que je partage mes stories. C'est pas sur Snap, c'est sur Instagram. Ça a commencé à partir de make-up, mais il est 21h. Vous savez, je me suis maquillée à quelle heure? À 4h du mat, il est 21h. Vous voyez comment il a tenu de ouf. J'ai fini de me démaquiller. Depuis tout à l'heure, je me bats avec le mascara jusqu'à ce que je me rends compte qu'en fait, il est totalement enlevé. Mais j'avais oublié que j'avais fait un rehaussement de cils. C'est une dinguerie. On dirait que j'ai encore du mascara alors que non, c'est mon rehaussement de cils. Ma skincare est faite parce que Yasmine, sans mettre la tonne de crème, elle meurt. Parce qu'il faut sachez que j'ai la peau sèche. Voilà, je vais le dire 20 fois. C'est pas grave. Il est temps pour moi de clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. J'essaie de filmer au maximum. Vous avez des petits conseils à me donner, des petites améliorations. Surtout, n'hésitez pas. Je suis totalement preneuse. C'est les meilleurs conseils que je puisse avoir. Regardez mon collier. Est-ce que vous l'avez vu? C'est un collier de la Tunisie. Bisous. Et venez sur TikTok et sur Insta.